Bonjour, je m'appelle Sophie Langlais, je suis la directrice d'Aston École et je travaille au sein d'Aston depuis 2008. Donc Aston est une école d'informatique. Nous accueillons, formons, certifions plus de 1000 apprenants par an dans le cadre de l'alternance sur des titres diplômants de bac à bac plus 5, tels que système réseau, enfin, la cybersécurité, pardon, le développement, la chefferie de projet, l'architecte logiciel, ce qui correspond à 9 formations aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, Aston est un leader incontournable de la formation professionnelle avec une équipe de plus de 40 personnes aujourd'hui qui leur mission première est d'accompagner tous ces apprenants dans leur rêve professionnel, pour réaliser leur rêve professionnel, en les accompagnant afin de ce qu'on dit souvent, de signer le premier Graal qui est son contrat d'alternance, parce que c'est le plus difficile au départ, et qu'on y met toute notre énergie, notre savoir-faire, les formateurs aussi professionnels sur leur montée en compétences pour que leur rêve professionnel se réalise. Voilà, ça c'est notre ambition. Mais je dirais que notre défi principal, c'est de continuer dans cette progression et d'être un acteur incontournable du marché de la formation professionnelle dans le secteur informatique, qui est un secteur aujourd'hui riche en emplois, en opportunités, en partenaires entreprises. Donc notre ambition, c'est de pouvoir répondre vraiment aux besoins du marché et s'adapter avec agilité aux compétences qu'ont besoin les entreprises aujourd'hui dans ce secteur. Alors les qualités que j'attends au sein d'Aston pour un collaborateur, c'est le travail en équipe, sa créativité, car on est sur des missions où on accompagne nos apprenants dans leur parcours professionnel. Et donc, on traverse un moment de leur vie. Et pour moi, c'est important, les valeurs humaines dans ces métiers-là. Parce que on va réaliser une partie de leur projet professionnel grâce à la formation. Donc, voilà, qualité, créatif, l'écoute, la proximité. Le travail en équipe, voilà, je crois que c'est. Et l'envie d'apprendre. Et oui, et l'envie d'apprendre parce que moi, ça fait 25 ans que je suis dans la formation et ça fait 25 ans que j'apprends.